Salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur Total Warhammer 3. On est au quatrième épisode de la campagne avec Belacor, le premier prince démon, et ses légions du... ses légions de l'ombre ou des ombres, j'ai oublié le nom. Légion des ombres, pardon. Donc là on continue notre poussée dans le nord, près de Nagaroth et aussi des désolations chaotiques du nord. On est en train de mettre à mal le Sigvald, qui en a déjà battu une fois. On va essayer d'aller prendre sa dernière cité dès que possible. Et on verra un peu ce que ça donne. Au niveau des dons du chaos, on est plutôt pas mal. Est-ce que je pourrais rajouter un truc intéressant? Eh, vas-y, je vais prendre des aurores roses de Tzinch. Allez. J'ai un autre don du chaos ou pas là? Oui. Au moins, on les a pas encore sacrifiés. Les gargouilles, je suis pas fan du tout. Par contre, ça, je veux bien un habit du pillard pour les maraudeurs, vu qu'on en a encore pas mal. Voilà. Bon, vous me direz pourquoi tu dis pas Nurgle? Bah, je suis pas trop fan de Nurgle. À part peut-être les Nurglings, et encore. Alors, toi, Harald, t'as pris un rang. Qu'est-ce que je pourrais te rajouter? Un nouvel édit à mettre en place, on va le mettre en place ici. Alors, les Agols, est-ce qu'ils le voient? Non. Il y a encore des petits bugs, malheureusement, avec les factions de la Norska. Quand elles sont détruites et que vous les faites respawner, c'est pas pris en compte. Ce qui est un peu dommage. Alors, là, on a une amélioration. On gagne pas d'ordre public non plus ici. Hein. Mais je vais faire quand même l'émissaire vassal pour donner de l'autorité, de la corruption chaotique et plus de revenus pour nos régions. Tu vas venir me déclarer la guerre et évidemment, c'était à prévoir. Donc maintenant on a Luth-Lion qui se pointe au Sif. C'était vraiment pas prévu mais bon. Au point où on en est. On va essayer de vite d'en finir avec Sigvald et descendre vers Luth-Lion. On va faire un petit... De toute façon, c'est notre prochaine destination parce qu'on a un fou furieux de Slaanesh à dégommer. Ouais, bah après, c'est un peu le jeu, hein, Sacha. Hein. Mais bon. Parfait. Les Agols, c'est fait. Oh, mais y'a personne où c'est la citadelle jolie ou c'est moi? Ça me semble un petit peu trop beau pour être vrai. Alors lui il va par là, donc très bien, ça m'arrange. Et lui de toute façon je le transformerai en héros halbardier. En élu halbard, ça va être très utile de toute façon. Là si je pourrais encore améliorer, mais non, je vais garder mon maître casse maraudeur. Alors déjà 2 secondes toi. Sigvald est là en train de piller. Bon, il a pas une belle armée, hein, ceci dit. Mais bon, faut être prudent quand même. Tu vas aller me le chercher, hein. Là, nos unités continuent de monter en puissance, c'est pas mal. J'ai de l'anti-large, mais j'ai pas d'anti-infanterie. Mais j'ai envie de prendre quelques chars de Slaanesh là. Les chars trackers. Les moissonneuses batteuses, j'ai cru comprendre. Et hop, on va rajouter du pognon. On a une bonne armée ici. Hein. Elle sera très utile pour aller en Luth-Lion et peut-être même dans l'ancien monde. Mais bon, ils veulent venir, hein, qu'ils viennent. C'est moi, tu veux... Attends. Qu'est-ce qui me vient pas? Tu me proposes un pacte de non-agression, je vais accepter. Nagaroth n'est pas ma cible. Je vais être très franc avec vous. Mon but, c'est les elfes, les hauts elfes et l'ancien monde.
Tu veux dire les rejetons du chaos, Sacha, c'est ça que tu voulais me dire, attends. Là, je me demande ce qu'ils pourraient nous concocter comme rework de la Norska. Déjà que c'est intéressant, mais là. Oh oui, Sigvald. Hey, il est plus là. Attends. Hey, c'est une occasion là. Je vais quand même vérifier, mais il n'a pas d'autre. Non, il n'a pas d'autre forteresse. Hein. Il doit être dans le coin. Victoire de justesse. Victoire à la pire si je fais ça, mais bon. Bon, allez, je vais pas m'emmerder. Hop. Je serai le maître de Sigvald si je fais ça. Non, je vais juste occuper. La cité gelée sur une bonne base. Je vais détruire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Par côté des guerriers du chaos, des héros exaltés. Je vais détruire ce bâtiment, je vais le fortifier. Ah, ok, t'es là, toi. Je te vois. Je vais recruter tout de suite une seconde armée pour le dissuader de m'attaquer. Voilà. Il veut tenter quoi que ce soit. Je lui souhaite bien du plaisir. Allez, on continue de te mettre de la défense, mon petit Jorul. Vas-y, reviens Sigvald. Oh, je crois que c'est l'autre qui l'a attaqué. Ah non, il a explosé la ville d'Elebron. Tiens, tiens. Et les tours difformes, je vais tout de suite faire au prochain tour une amélioration de garnison. Alors, où est-ce qu'il est, Sigvald? Oh, il m'assiège, il est mignon. Bon, je perds mes deux sanguinaires si je fais ça. Bon, allez, on va en finir avec lui. Et en plus, lui, il gagnera le trait de Sigvald puisque Bellacor l'avait déjà. Voilà. Lost décadent n'est plus qu'un vieux souvenir. Ça fait deux factions sur les trois qu'on a explosé. Par contre, j'ai retransféré ces sanguinaires dans l'armée de Bellacor. Là, je peux toujours pas les améliorer, eux. Alors, je vais te rajouter quoi, Bellacor? Alors, soif sanguinaire pour les unités non de mêlée non volantes démoniaques, ça pourrait être utile, ouais. On va partir sur Avant-garde du chaos. Salut Artaros, bienvenue à toi. Alors, je peux rien améliorer, on vérifie. Non, non. Les auras exaltées, on ne pourra pas les améliorer de toute façon. Lui, je pourrais l'améliorer, mais je vais le garder quand même. Dans l'état qu'il est, il est plutôt intéressant. Et toi, t'as pris un rang. On va te mettre bouclier de lame. Comme ça, tu auras 60 d'attaque, 62 de défense en mêlée. Pépère. Alors. Maintenant. Je crois que je vais repartir vers Albion. Cette armée-là va maintenir l'ordre. Bon, les chiens, je vais les dégager. Ils me servent plus à grand-chose. Donc là, il nous reste quoi? On est en guerre contre qui? Thor Ivresse. Tu veux pas la paix? On va aller défoncer du Ultarion.
Le bonus d'armure de mêlée pour tout ce qui est pas démon est super. Ouais, surtout pour les maraudeurs au début qui sont très très fragiles. Hein, on va pas se le cacher. Allez, forteresse 4 à, de niveau 4 à Konkata, c'est parti. Eh les gars, vous voulez pas venir taper du elf? On va faire une signe garnison ici, on va surveiller ce que fait cette armée. J'ai pas confiance du tout. Même si j'ai une bonne armée ici, je me méfie quand même. D'un Malus Darkblade dans le coin, ça pourrait être catastrophique. Donc là, on a combien de colonies? On a 20 colonies. Il nous reste 15 colonies à occuper Piouraze. Mais je pense qu'avec Bellacor, on va aller partir vers Utluon et puis vers le Nouveau Monde. Enfin, l'Ancien Monde, putain. Je vois, je confonds Nouveau Monde et l'Ancien Monde. Alors toi, tu peux avoir des points de compétence. Toi, dévotion à corne ou slanèche, ouais. Bref. Est-ce que je peux te mettre des trucs? Alors, j'ai de l'équipement. Objet enchanté. Armure, armure. Et attends, tu sais quoi? J'essaie de combiner ces deux-là. Amulette blasphématoire. Ça permet des attaques magiques. Mais toi, tu les as déjà, donc c'est pas ce que je cherche. Par contre, toi, Harald, je veux bien que t'aies ça. Et le bâton interdit. Alors, j'ai tenté de fusionner ces deux. Bon, je prends un risque avec Bellacor, mais bon, pourquoi pas. Couronne éternelle, c'est quoi? Ah, j'ai des PV des combattants. Bah, vas-y. Tant qu'à faire sur Bellacor. Comme si t'étais pas déjà assez craqué, l'ami bébé. Alors, des nouveaux points de compétence. Donc, toi, on va te mettre ça, on va te mettre ça, ça. Et on va te rajouter ça. Je pense que je vais taper aussi un portail du côté du Tluon. En fait, je pense que si vous voulez faire une longue run sur le long terme, je vous conseille de faire des portails à certains points précis dans certains endroits. Hein, en Utluon, je pense que ça peut être pas mal, genre vers la Kotique ou la Chrasse. Nagaroth, ça pourrait être pas mal si vous allez là-bas. Exo Atoll si vous pouvez, ou sinon la côte là avec les impériaux qui sont dans le coin avant au nord de Marcus. Dans les terres du sud, pourquoi pas vers Kemri, ça pourrait être drôle. Ah bah tiens. Attends, il me reste encore un slot là. J'avais pas vu qu'il me restait encore un slot. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens. C'est une bonne remarque ça. Alors. Ouais, que ça. Bon. Y a pas autre chose là. Parce que là, je serai à 2, 4. Je serai à 5 unités. Oh, elle est plus zut. Bonne nuit, Andrew. Merci à toi d'être passé. Merci encore à tous ceux qui sont là du raid de CG. De toute façon, moi d'ici, allez, allez, 40 minutes, je vais arrêter aussi, on va avancer. Donc là, on a la dernière unité qui nous manque. Je vais me reposer à Chagrat ici, et après je repartirai. Une fortification ici. Une aussi en tour difforme, comme ça, le nord, nos bases du nord sont défendues et assurées. Si je me mets là. Ah ouais. Alors attends. Et attends, j'ai une idée, je vais faire un portail. Attends, il est où ce portail? Je le vois pas. Ah, t'es du côté de... La forteresse des damnés, bah vous savez quoi, on va utiliser ce port, on va faire ça. On va partir par la forteresse des damnés pour aller directement en Albion. Allez, marche forcée. Comme ça au prochain tour on pourra l'utiliser. Et nos troupes peuvent toujours se reconstituer, donc c'est plutôt un bon point.
Je m'en vais avoir disponible. Non, toujours pas. Allez, on va faire un petit jump. On va retourner à Albion, notre base de départ. Et en vrai, je pense que je pourrais utiliser l'une des armées pour attaquer les Bretonniens et tout. Hein. Ça pourrait être rigolo. Car les Bretonniens sont tellement affaiblis, ça sera tellement une aubaine d'aller les défoncer. On n'a toujours pas attaqué de nouveaux trucs. Hein. Oula, attends. Voyons, on se comportera de manière plus agressive envers ses voisins. Bon, on n'est pas voisins pour à proprement parler, mais il faut se méfier quand même. Ok. Allez, traverser la faille, on va se rendre. Vas-y. Bonjour. Je rentre chez moi. Voilà. Ou alors viens, eh viens, non, on va utiliser Belacor pour attaquer la Bretonnie avec la deuxième arme en support. Oh viens, vas-y, j'ai trouvé mon plan là. Allez. On va se mettre en route pour... On va faire ça, on va se mettre en route pour la Bretonnie d'abord et ensuite on s'occupera de... des autres cons. Tes voisins de continent et quand ouais, ben je suis loin quand même, je pense. Hein. Je pense pas qu'il va venir m'attaquer. Bon, faut se méfier de l'IA des fois. On va les casser la bouche à du Bretonien, ça va faire pas de mal. Un petit coucou à Louan et à ses compatriotes bretonniens. Ouais, ça va être rigolo. Mais bon, faut se méfier, il y a les sournoises, hein, on va pas se le cacher. Bien. Bon, bah, on va se faire plus d'argent. Hein. Alors, Belacor. Eh ben voilà. On va faire des élus albardiers. Parfait. Là, je peux améliorer ça en guerrier du chaos. Lui, pareil. Voilà, on commence à avoir une armée qui envoie du pâté, là. L'IA est très... Ah oui, c'est vrai, ça. Je te accorde ce point. Là, il pourrait venir là. Je vais faire attention à Louon ici. Donc là, ils ont recolonisé, d'accord. Donc là, notre ami Valkia n'a qu'une province ici. Ok. Elle est en guerre contre Hellebron. Bon. On va la laisser se débrouiller, hein. Elle n'a pas besoin de nous, elle est grande. Elle est majeure et vaccinée, j'ai envie de dire. Salut Xebus, comment tu vas? On avance avec Monsieur Belacor vers la Bretonnie. Je pensais aller vers Incarie en premier et finalement non. On va faire une petite expédition touristique en là-bas. Oh, t'es en guerre avec le nain blanc, toi? Ouh, le nain blanc, attention, hein. On rappelle qu'il a sa propre faction et qu'il casse la gueule aux elfes noirs. On va accepter le commerce. Puis, de toute façon, on n'est pas allié au nain blanc, donc on est... Il est hors d'action. Ouais, ça va. Bon, après, c'est en bêta, Immortal Empire. Hein. Il y a encore des petits trucs à corriger par-ci par-là, ça viendra au fur et à mesure du temps. Et là, je m'éclate avec Belacor, hein, qui est le premier prince démon. C'est un beau bébé.
Ah, attends, d'où il m'attaque, lui? Bon, bah, je perds toute mon armée, t'es sérieux? C'est quoi de cette armée? Bon, on va la tenter. Mais je m'attendais vraiment pas. Je croyais qu'on n'était pas en guerre, mais apparemment, les flottes maintenant sont automatiquement en guerre avec le joueur. Hein? Ah, bah, ça promet. Alors, les chars. Oh, ils ont un carabis. Oh putain, ça va pas être de la tarte, cette game, cette bataille. J'essaie de lui faire le plus de pertes possible. Bon, le cœur de mon armée, c'est du maraudeur, ça va vite se faire plier, ça. Si j'arrive à dégager au moins ces deux artilleries, au moins tous ces monstres, l'armée de Belacor va le plier derrière. J'ai un sorcier du domaine du feu, si je dis pas de bêtises. Je vais tenter un truc, même si c'est assez couillu. Voilà. C'est quoi ça? Ah putain, il est niveau 35 lui. Oh, c'est quoi ça? Voilà, on va reculer tranquillement. Je vais me faire ouvrir en deux, je vais rien comprendre. Putain, je me fais déjà dépouiller quoi. Deux unités, allez, bisous. C'est quoi ça? C'est des mages du feu maudit, allez, on va essayer un truc. T'as quoi comme ça? Oh, ça me plaît, ça surtout vous. Vas-y, enfermez-moi tout ça. Ok, c'est pas mal du tout. Vous deux là, vous êtes des horreurs. Vous êtes de l'anti-large, donc faut y aller. Le sorcier, tu vas dégager. Les trolls, vous allez venir aussi là-dessus. De l'autre côté, j'ai ça. Je vais tenter, hein, mais. Oh, elle est féroce, leur manticore. La manticore, là, elle va se prendre de tarif. Alors, non, non, vous allez pas parler encore. Bon, s'ils s'isolent, tant mieux. Moi, ça m'arrange. C'est quoi qui me tire dessus? C'est ça? C'est un mage? Non, c'est un projectile, ok. La manticore, là, on l'a eu. On va aller chercher ça. J'ai tenté de me mettre en. Pourquoi c'est quoi qu'ils envoient? Attends, ils envoient leur valise faucheuse comme ça. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous. C'est nouveau. C'est quoi ce qu'on a là-bas? Mage du feu maudit encore. Oh non, attention à la garde nord de la garotte là, attention. Putain, il fait. Mais ils ont un mage, j'ai loupé un mage, c'est pas possible, c'est pas lui qui fait ça quand même. À moins que c'est l'arche noire. Oh, ça va me plaire là, la moissonneuse batteuse. Allez-y, char tracker. Allez, faucher. Voilà. Bon, par là, ça a craqué, c'est bien. Maintenant, on va pousser. Voilà, nos trolls, ils se sont fait déborder. Qu'est-ce qu'il nous reste là encore? Il nous reste le mage. Par là, c'est réglé. Par contre, là, il faut s'occuper de cette carabine qui est anti-large de base. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fonctionne pas ici? Ça tient ou pas? Non, ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les balistes ne reviendront pas. Ça, c'est très bien. Vous, les trucs de Tsinch. Ah, oh, mes chars, ils sont englués. Attention. C'est pas mal du tout. La carabine, vous allez vous en occuper là. L'autre char, il est où? Il est là. Bon, vous êtes revenu. On va pas paniquer, on va pas. Les hurleurs de Tsinch, attention, sur les cavaliers arbalétriers, merci, vous, par là.
Vous, les trolls, vous allez vous occuper de ces corsaires. Allez, faites en sorte que les sombres traits ne se reforment pas. Les trolls, vous allez revenir ici. Je prends ultra cher ici, je comprends pas pourquoi, mais bon. Encore une, on va dire qu'il y a une explication. Alors, Mecha et Maraudeur, vous allez reculer. Elle est où la carabisse là? Allez. Mon mage, il est où? Il est là. Ça se passe mal de ce côté, ça se passe plutôt mal, je vais replier. Mes chars là, ils sont encore en activité, ouais. Elle meurt pas cette saloperie, hein. Attends, vous êtes où? Vous êtes là. On va faire en sorte que la balise ça leur vienne pas non plus. Vous allez me tenter une charge dans le dos, les trolls, allez. Ouais, ça c'est encore une, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en avait deux de ces sales bêtes. Guerriers se rassemblent. Maraudeur, vous êtes reformés, c'est bien. Par contre, là, ça va être compliqué à aller chercher ce truc-là. J'ai peut-être tenté d'aller chercher leur truc comme ça, là. Vous. C'est quoi ça, le pendule du destin? Je vais tenter un balayage là, mais bon, ça me paraît compliqué. Bon, ça n'a pas fait grand chose, on va dire. Sinon, ça meurt ou ça meurt un jour? Occupez-vous de ça. Je vais leur dire d'arrêter de mettre le mode garde. Les chars, c'est fait. On va reculer. Oh, on peut tenter une charge dans le dos, tu me diras. Voilà. Ça refuse de tomber, hein. Oh, on peut l'avoir, la saloperie, là. Vous êtes 48 encore, ouais. J'ai tenté que ça se reforme pas, mais ça va être compliqué. Bon, ils ont eu la carabisse, c'est bien, c'est toujours ça de prix. Si on va essayer de leur faire le plus de pertes possible, vu comment c'est parti. Les trônes ne reviendront pas là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une boule de feu sur toi. Par là, ça reviendra pas. Là, on pourrait tenter un petit flanking. Oh, la boule de feu l'a touché. Vous, vous allez aller là. J'aimerais tellement que la Manticore, elle revienne pas là. Allez, enflammez-moi tout ça. Oh, vas-y, je vais tester ça sur ce régiment, j'avais pas vu. Si on peut se mettre un peu la panique, moi j'ai envie de vous dire que oui. Ah, ils ont pas aimé, apparemment. Ça peut peut-être équilibrer la balance, hein, mais... Pff, ouais, non, ça va être compliqué. Quand eux, ils sont anti-large, ça me plaît moyen. Vous, vous allez me charger là-dedans. Les horreurs de Tinch, elles font encore le boulot, hein, la vache. Ça fait plutôt plaisir. Envoie une boule de feu dans la tête, merci. Je vais tenter d'aller chercher le général adverse, même si ça paraît compliqué. Allez, il faut pousser les mecs. On va tenter un petit flanking.
Attends, il y a une unité là qui veut tenter un truc. Allez, il faut tirer les mecs, youhou. Enfin, volonté les mecs, allez. Ah, ils veulent pas mourir, hein. Bon, allez, on va les envoyer en mêlée. De toute façon, pour où on en est. Allez, dégommez-moi ces unités-là. Eh, attends, il y a peut-être un coup à jouer, hein. Ça, c'est fait. Allez, on y va. On va tout donner. C'est dur, hein, mais... Voilà. Maintenant, vous me visez là et vous, vous me visez là-bas. Comme ça, on va essayer de dégager le plus d'unités possible. Là, le problème c'est qu'ils ont des boucliers donc c'est un peu compliqué on va dire. Bon je perds mon commandement, je commence à dépoper ouais. Comme les vampires, ça je connais. Bah, bon. On leur a fait pas mal de pertes je trouve avec une armée qui était pas de qualité. Alors combien il leur reste d'hommes? Ah, il leur reste 334. Hein. Bon ça va. Ah ils m'ont fait mal les gardes noirs. Hein. Bon, on a éliminé un des monstres, la cavalerie elle est quasiment morte. Bon, un peu déçu, mais bon. De temps en temps, il faut une bonne défaite, mais je suis pas sûr que la flotte survive. Hein. Déjà, elle, elle reviendra pas cette saleté. Je reformerai une armée à la maison. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Bon, on a éliminé les balistes, une manticore, une carabisse, on a éliminé une unité de feu conjurateur du feu maudit. Ouais, c'est pas mal. Il va y avoir une petite action de vengeance. Je réclame vengeance. Alors. Je vais te donner ça, toi, tu vas rester là. Bon, déjà ça, on embarque. Les deux ordres de Tsinch avec. Prochain tour, on traque ton compte, toi, après les dégâts que t'as fait. On va marcher sur la Bretonie, on a des affaires à régler. Hein. Et on a ceux-là aussi. Ouf, il me propose un pacte d'agression. Ça m'arrange comme ça. Ça m'évite à le cogner. Et comme il est occupé avec le prince du monde, bah, je le laisse faire. Donc on a éliminé là des guerriers du chaos, enfin, universel, on va dire, même si Xigon est affilié à Slanesh, vous allez me dire, mais bon. Dans l'idée, plutôt quand il est avec Kolek et tout, bah. Est-ce qu'ils se sont reformés rapidement ou pas? Ils sont dans un sale état. Ça y est, on peut avoir les horreurs de Tsinch exaltés. C'est parti, comme ça on en aura déjà deux. Oh bah bonjour. Oh bah alors, il se barre. Oh, toute la cavalerie qui arrive là. Ah ouais, je vous dérange pas. Oh, ça va pas être de la tarte là, contre Tsinch que contre lui. Il a un... Bon, après ça va. Il a pas une armée non plus de fous furieux. Bon, ce qui pourrait poser problème, c'est eux. Mais si on les englue bien, on peut se mettre bien. On s'occupe de l'antien, tout ce qui est. Voilà. 5% je prends. Et eux, on s'en occupe. On a un petit avantage sur lui apparemment.
Je vais mettre attaque dévastatrice pour être sûr. Ça va, il va y avoir du sport entre moi et... Alors attends, à moins que je tente un assassinat. Attaque les unités. 51% allez. Dommage. Ça, c'est, ça pue un peu. Ah, j'ai perdu un de mes enfants, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. C'est quoi, je vais faire un truc de chevalier du chaos, je vais faire des thunes à fond. En vrai, si on bat Louan, on a la porte ouverte pour la Bretonie. Hein. J'espère juste qu'on va pas prendre trop de dégâts. J'espère que la campagne d'Arcaon serait refaite pour être fun avant de passer un temps infini à faire évoluer plus lentement. Bah, à mon avis, je pense que si c'est du comme bel accord dans l'idée, hein, je pense qu'à mon avis, t'as pas de soucis à te faire. Qui c'est qui avait fait une campagne avec Arcaon que je connais? Oh, bah, il m'a esquivé. Bon, bah, écoutez, hein. Il m'a esquivé, il va assumer. Ça me donne une opportunité de ravager les terres alors. Comment il m'a... Vous avez vu ça? Il m'a complètement évité. Alors, Wulfric, tu vas me changer de cible. Tu vas venir là. Toi, pareil. Allez, c'est parti pour dévaster un petit peu ces territoires-là. Alors, Inkari. Je regarde ta situation. Putain, il a plus que deux territoires, notre Inkari national. Oh. Un peu de chance, des fois, ça fait pas de mal. Hein. On a plus de sous pour l'instant. Allez. On va fêter ça par une petite attaque en Bretonie. À moins qu'il nous attaque dans le dos, et là ça serait très 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 compliqué. Bon, déjà il va prendre de l'attrition avec la haute mer ici, c'est bien. Ça va nous permettre un petit peu de nous concentrer. Alors en fait, Sacha, je pense que c'est Eltarion qui s'en occupait un peu. Je pense qu'il s'est pas une coalition d'OL sur la tronche, et là il n'y a pas dû résister, tu vois. Et ça m'arrange parce qu'au moins ça m'évite à zigouiller moi-même. Oh, attends. Wulfric a battu Louon ou pas? Mais il est passé où, Louan? Il l'a pulvérisé ou... J'ai pas vu. Bon, bref. Allez, on se met en route pour Langui. Ah, c'est une ville fortifiée. Pff, allez. On s'embête pas. On va juste occuper. On va faire une petite base ici. Oh, des loups écorcheurs. Ça peut être utile, des loups écorcheurs. Je sais pas vous, mes amis. Mais moi, ça me plaît. Sachant que j'ai peut-être besoin d'entretien. Alors, ça coûte combien un entretien? Ça coûte plus cher. Sa régénération, c'est anti-large. Vas-y, j'en en pique un. Alors là, je suis ravi. Louis Corcheur, là, ça, c'est mon petit must-have avec les Nords. Je sais pas votre avis sur l'unité, mais moi, ça me plaît. Allez, on améliore notre cité au niveau 3. Donc là, il nous reste encore 14 cités à trouver, à les PTV. Ça, ça va être trouvable, hein, les 14 cités. Je me fais pas de bile. On va occuper la Bretagne. Par contre, je vais bien fortifier Couronne. Hein. Et je rappelle aussi que j'ai pas recruté le canon de renom. Hein, le canon. Comment il s'appelle? Le canon de. Ouais, le canon de légion. Régiment de renom. C'est ça que je cherche, le canon de Apocalypse. Byron le jongleur réussit une tentative d'assassinat, c'est que toi. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Parfait, comme ça il va gagner des points.
Et moi j'ai mon loup écorcheur ici qui va refaire mon armée. Putain, je pourrais en recruter encore, hein. Couronne, je ne pense pas que ça se fait avec une seule armée. Bon, regarde. Alors, en vrai, vu la garnison, c'est faisable, là, regarde. Ils ont rien quasiment. Est-ce que je... Je vais me mettre là, tiens. Je vais me mettre en embuscade. Bah regarde. Ils ont qu'une ville au niveau 3. Alors on me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Mais ils ont pas grand chose, ils ont 12 unités. Qu'est-ce que je voulais faire avec toi? Je sais même plus. Ils ont 12 unités, ils ont pas recruté, ça m'étonne ça. Tu sais quoi, je vais remplacer mon maître casse maraudeur, je vais recruter un autre loup, vas-y. Comme ça j'en aurai deux. On va se faire de la thune en plus et de la croissance là-bas. Bah écoute, là je suis vraiment étonné. Alors je sais, ça je m'en souviens très bien, mais bon, on va aller voir, hein. Et en plus couronne, ils ont 8 territoires, donc ça m'étonne un peu aussi. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais qu'est-ce qu'il veut. Ouais, voilà le Khazra qui nous trahit. Victoire à la Pyrrhus, vas-y, je prends les thunes et les âmes. T'aurais jamais dû me trahir, toi. C'est un homme bête, hein. Et pourtant, il est chaotique. Vous imaginez un jour si, avec le rework pour. Avec un rework du chaos total, et même les hommes bêtes encore. Il y aurait tellement de trucs à faire. Wulfric vient d'arriver, ça, c'est une bonne nouvelle. Il roule cool. Est revenu, ça c'est bien. Allez, on se met en route pour couronne. C'est ça couronne. Attends, ça donne quoi la ville? Que je rigole. Vas-y. Vas-y, on va clôturer la VOD sur ça, sur la prise de couronne. Alors, attendez. Il y avait un don du chaos qui me plaisait. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Quel don je peux retirer là qui me sert pas? Celui de Slaanesh déjà. Après l'intelligence de Khazra, qu'elle est un peu dans son espèce. C'est pas faux, Artaros. Tu marques un point. Alors apparemment on aurait la capacité de brille là. Alors je sais pas si ça marche comme les ogres, c'est dans les deux têtes, mais on va vérifier. D'accord, j'entends There is no escape, je pense quand ils ont refait le combat entre Obi-Wan ancien et Dark Vador. Hey, il a une armée là. Attends, le couronne est en guerre avec qui là? Ils sont en guerre avec la Légion du Tertre, ils sont partenaires commerciaux, ok. Il y a l'Order Ted en marche, bon. Allez, on y va. On va les faire tomber couronne. Mais d'accord, il a une vitesse de 117, le mec. T'as les loups écorcheurs nord, j'en suis vraiment content là, que de les avoir ces deux-là. Et bon, j'ai des sanguinaires exaltés. Peut-être qu'après les Horde Unseen, je vais les remplacer à terme. Hein. Vu que j'aurai. Il faut. Bon, j'aurai que je fasse gaffe à eux, bien sûr, hein, mes loups écorcheurs.
Et vous imaginez que si on reworkait encore les hommes bêtes, on pourrait recruter des hommes bêtes avec le chaos. Moi, ça me choquerait pas, perso. Hein. Imaginez qu'on ait les Korngor, les Pestigor, les Sengor, les Slangor, si je dis pas de conneries. Ça serait monstrueux. Donc là, il va y avoir les archers à poison. Donc les seules grosses menaces, entre guillemets, ça va être les cavaleries et le treb. Le treb, je vais essayer de vite les faire taire avec mes volants. Genre mes héros ou Bellacor lui-même. Alors. Ouais, c'est ça. Ça marche comme les ogres. Oh oui. Oh mamma mia. Bon, par contre, vous, je vais vous cacher dans la forêt. Il y a une tour ici, une tour là. Il y a deux portes. Alors, le canon ici. Alors, j'ai regardé où ils sont, les écorcheurs. Oh ouais. Ça me rappelle quand je jouais à Blood Bowl avec les loups-garous nécromantiques, un petit peu. Quand je les vois. Vous êtes mignons, hein. Bon, très bien. On va éviter de canaliser la magie. Vous, vous allez reculer. Le canon, on va le faire tirer dans la porte. Et là, je vais tenter une percée ici. Hein. Vas-y, en plus, il y a une unité d'archer dessus. Bah, alors là. Je crois qu'il y a un trou dans le truc là. Ah, vous savez quoi? Ouh, attention les maraudeurs. Je vais les envoyer de ce côté là et on va passer. Hein. Les sanguinaires vont aller vite sur les murs. Allez, à l'assaut. Toi tu vas venir là. Ils sont où le treb? Ils sont là-haut, ok. Toi, tu vas aller les chevaliers du royaume, on va les éviter. On va aller taper sur les murs des archers. Hein. Tiens, je vais faire une autre brèche là, tant qu'à faire. Comme ça, on aura de quoi faire. Voilà. Oh, il y a eu un. Il y a eu. Et on en a calmé certains ici. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, on va prendre les murs rapidement. Donc là, les archers, c'est fait. Je vais dire à mon héros d'aller chercher les trèbes en arrière. Les sanguinaires, vous allez rentrer et vous faites un massacre. Ne cessez l'assaut que lorsque la cité sera prise. Merci. Loup-garou, il y a les chevaliers en qui chargent, attention. Et le halbardier aussi. Alors mon canon là, on a passé les portes, les chevaliers du royaume sont là, les horreurs de Tsin, je vous allez pousser, on va pas s'utiliser trop d'hommes non plus, hein. On a encore nos élus en réserve. Allez, un petit nerf des chevaliers du royaume aussi tant qu'à faire. Le trèbe, vite, vite, va, fonce sur le trèbe, toi. Alors, attends, il y a la cavalerie, là, j'avais pas vu. Ok, chevalier errant. Wow. Par contre, les loups écorcheurs, vous allez reculer, vous prenez trop de dégâts, mon goût. Alors, les trèbes, c'en est où? Bon, parfait, notre ami fait le boulot. Ils sont encore un peu fragiles, hein, mais bon, ça viendra. Allez, un petit flanking de ces maraudeurs ici, je dirais pas non. La tour, là, elle est visée. Et là, je vais faire un petit sort, là. C'est quand vous voulez, les mecs, hein.
Bon, bah là, le moral est dans les chaussettes. Les trams ne reviendront pas. Je vais m'occuper des archers ici. Par là, on a une barricade. Attention. Bon, à un moment, là, ça devrait tomber, les mecs. Hein. Bon, la tour, là, elle va tomber. On occupe, on tient la porte. J'ai envoyé ces sanguinaires là-bas en renfort. Qu'est-ce qu'il nous resterait? On va aller s'occuper de ça là. Bellacor là, il les a fait fuir. On va s'occuper de ces hommes d'armes restants. Les archers là, c'est ok. On va avancer. Hein. Le canon qui nettoie les tours, c'est ça. Ça m'arrange. On s'occupe plus de ces régiments. Celui-là ne reviendra plus. Donc là, il y a encore une bonne niche, une bonne poche de résistance. J'essaie de les envelopper totalement. Les hommes d'armes avec armes d'ast aussi. Qu'est-ce qui reste qui... Bah là-bas, c'est là-bas la poche de résistance. Mais d'accord, il va aller s'occuper de ça là. Attention. Attention aux archers qui reviennent ici. On va se remettre en formation. Ils ont vraiment de la gueule, les élus. Hein. C'est des paysans plus des maraudeurs. C'est ça l'idée, ouais. Bon, là, ça reviendra pas, logiquement. Bon, là, ils sont complètement encerclés. Alors, le mode garde, il en a marre. Voilà. Oh, ça meurt bien, ça meurt bien. Allez, poussez. Ça y est, c'est terminé. Toute l'armée est en déroute. On m'avait dit victoire de justesse. Hein. J'ai perdu 54 soldats. Bon, les écorcheurs ont un peu pris cher, mais c'est normal, c'est leur début. Mais bon, là, en vrai, contre la Bretonnie, on a une compo anti-large assez intéressante. Hein. Bon, les horreurs de Tsinch exaltés, là, ça va être utile. Alors, on va occuper, bien sûr. Quoi que je pourrais mettre. Voilà. Ben d'accord, après un nouveau rang, je vais mettre l'avant-garde du chaos au dernier niveau. Ils auront 12 d'armure en plus, ça va être monstrueux. Alors, j'en vérifie, hein. Bon, je pourrais les passer en chevalier du chaos à lance, mais ça ne m'intéresse pas. Du coup, ça fait qu'on a 22 colonies sur les 35, là, mes amis. Alors là, si on veut piller la Bretonnie, bon, on va se faire plaisir. Hein. Ils ont récemment recolonisé Fort Bergre, j'ai l'impression. Plus de chaos, s'il vous plaît. Je vais juste passer le tour, je vais voir comment vont réagir les Bretonnais, ils vont pas laisser ça passer. Breaking news, Bellacor prend couronne alors que Lyon semble être parti en vacances. Je me demande si Wolfuck l'a pas battu justement. Ça semble, ça pourrait être une possibilité. Hein. Là je vais me tablir un petit contour, une petite tête de pont en Bretonnie. Si je peux refaire un portail, ce serait génial, comme ça j'aurai un accès dans l'ancien monde. Ah bah il est là Louan, tiens tiens. Mais il est où ? Tu veux un accord commercial ? Va. D'accord, Louon est toujours vivant. Continue. Alors, Wulfric, tu vas t'occuper de cette armée. Moi, je vais m'occuper de la celle qui est en marche forcée. Je pense qu'avec l'armée que j'ai. Je peux pas aller la chercher, ok. Est-ce que je peux aller chercher Louon? Je peux pas non plus. Bon, je pars construire. Parce que là j'ai un petit peu le cul entre deux chaises. Je vais me mettre en embuscade ici.
Je vais voir comment va réagir la deuxième armée derrière. Celle qui est là. Il va certainement se bouger à un moment loin. Si je me faisais une petite alliance avec Heinrich Kemmler, ça serait pas déconnant en vrai, vu qu'il est en guerre aussi. Alors. Alors, Wolfric va s'occuper de cette armée, moi j'allais m'occuper de l'autre. Juste à remarche sur c'est quelle grave erreur. Il n'y a rien là-dedans, allez, oust. Voilà, là on a calmé un petit peu les Bretoniens. Je vais me mettre ici du côté de l'anguille. Je pense que l'on il s'est replié à Lyonnais. Donc là normalement on n'a plus d'armée qui menacerait nos arrières. Oh, une guerre contre l'Empire, attention. Hein. Ah, la couronne de domination est mienne. Référence à la couronne d'Arcaon, je suppose. Alors, mon petit camarade, là, qu'est-ce qu'on va te rajouter? Plus de dégâts, allez. Hein. Alors, attends, j'en étais où au niveau technologie? Je sais même plus. Ah oui, le pacte démoniaque, c'est vrai. Je vais améliorer mes défenses et mon revenu. Là, je vais voir comment vont réagir mes adversaires. Alors, l'anguille, je peux la réparer maintenant qu'il n'y a plus personne qui me gêne. Je vais juste finir les deux derniers tours pour avoir la technologie des... la peur causée par les élus, ça devrait être suffisant. En vrai, j'ai tellement envie de raser la Bretonie, là, c'est tellement tentant, je veux juste m'occuper de la province capitale, quoi. Par contre, si je m'allie tout de suite avec Kemmler, l'Empire va mal le prendre et ils vont me tomber dessus, je les connais. Louon, ok. Mon tarpé, il est là. Oh, ils vont aller attaquer. Alors vous, non, je vous demanderai plutôt d'attaquer ici. Je vais vous réorienter. La chasse sauvage a pris fin, ouf. Bon, je vais me faire Louon en auto, je pense qu'il y a moyen. Tour décisive. Oh, régicide, vaincu grand cœur de lion. Cette fois, le roi pourrait bien avoir péri, peu importe vie de le roi. Bonus de charge plus 10, ça va être très utile pour lui. Et recrutement pour la carrée, moins 20%, ça peut être très utile également. Voilà. Là, je peux rien faire de plus, non. Par contre, là, je vais essayer de... me faire. Alors, il n'y a pas une unité anti-large encore ici. Là, cette unité là, au prochain tour, je la recrute. Allez, comme ça, là, on aura une très très puissante armée. J'ai augmenté l'armure de mes unités démoniaques aussi. Il faut que j'y pense un petit peu quand même. Le port de Langui, on le refait. Plus de thunes. Rien de plus ici. Ok, ça sera mon dernier tour pour ce soir. Donc le tourisme en Bretonie, ça se passe bien. Dans le lore, c'est Blackheur qui couronne chaque seigneur de la fin des temps. De la couronne en tant qu'humiliation que les quatre dieux lui ont donné. Ah bah punaise, sympa quoi. L'ancien grand serviteur qui devient juste comme un pape.
tu poses la couronne de domination sur l'île de la fin des temps et bisous. J'adore le concept. Ça y est. Le pack démoniaque est terminé, donc ça c'est fait. Je pars vers Korn pour la prochaine fois. Et là, je vais tout de suite prendre les dragons ogres de renom. Alors, juste un instant. Alors, est-ce que je ne l'utiliserai pas sur l'armée de Bellacor, justement? On se fait un coup parfait. Vraiment parfait, le portail. Là, on pourra s'amuser. On a établi, on a notre base d'opération ici, là. Alors, avant de s'arrêter, on va faire un petit point au niveau de la diplomatie. Donc, louons encore 8 colonies. Eltarion en a 7. Et maintenant, Incarine possède plus que 2 colonies. Une en Kotick et l'autre en Shras. On a détruit 22 colonies occupées ou rasées. Donc, ça veut dire qu'il nous reste encore 13 à faire. Je pense que ça va vite être vite fait, donc si on joue bien le coup. Par contre, ils ont complètement abandonné ici. Ça me surprend de dire, mais bon. Admettons, je vais juste voir ce que ça donnerait pour un assaut. Ça vaut rien leur ville. Et là, je vais rien que pour emmerder le monde, je vais raser la ville. Je vais lui dire d'aller prendre Fort Berg, comme ça, ça nous mettra une petite zone peinard. Ok. Alors, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien à faire. Je passe juste mon niveau sur Bellacor. Allez, plus de charge encore. Oh, les sanguinaires, ils vont tellement être monstrueux. Et l'âme mortelle ici. Et je vais te mettre un moucheur, les plus de dégâts. Voilà. Donc on a bien poursuivi notre campagne. Donc Sigvald est tombé. On est en train de s'occuper de la Bretonie avant d'aller faire un petit séjour sur Utluant. La fin de campagne s'annonce intéressante. On va voir si nos alliés peuvent faire le boulot ici. On va essayer de piller et raser au maximum la Bretonie. Pour leur faire comprendre qui nous sommes. Hein. Nous sommes comme le premier prince démon, je rappelle. On a un petit portail ici pour arriver dans le nouveau monde. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que cet épisode 4 vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite des aventures avec Bellacor. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.